Eu queria falar só 3 minutos, não uma apresentação dela, mas uma qualificação e as credenciais acadêmicas da Gisele. A Gisele é bem mais jovem do que eu, vocês estão vendo. Foi uma das últimas doutorandas do Gurdjieff, certo? Ela começou a carreira como diretora de pesquisa do CNRS, que é o equivalente do nosso CNPq. Ela foi eleita em 2011 diretora de estudos da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais e ela atualmente é diretora do antigo centro fundado pelo Bourdieu, que agora se chama Centro Européen de Sociologie et de Sciences Politiques. Os cientistas políticos não devem ficar nervosos, são cientistas políticos muito sociologizados. Ela também é do comitê editorial da revista Actuales e Ciências Sociais, e ela estreou com um livro em 1990 e 1999, que se intitula La Guerre des Écrivains, 1940 a 1953, onde ela analisa as tensões e a concorrência entre os escritores ligados à resistência e ligados à colaboração. E monta todo um argumento, não hiperpolitizado, mas um argumento mostrando como as tomadas de posição políticas desses escritores tinham a ver com a inserção prévia no sistema literário. No ano passado, ela publicou um livro, La responsabilité de l'écrivain, littérature, Droit et morale en France, 19e, 20e siècle, pela SEUI, e um livro que teve grande repercussão. E é esse livro que será o argumento central da conferência de hoje. Okay? Obrigado pela presença de todos, obrigado ao Fox pelo suporte à vinda da Gisele. E merci beaucoup Sergio et merci à toi et aux organisateurs de l'Ampox pour cette invitation qui m'a permis de revenir au Brésil plus de 10 ans après ma première visite où c'était déjà Sergio qui était une des personnes qui m'avait invité. Et donc je suis heureuse de pouvoir vous présenter ce travail. Dans les règles de l'art, Pierre Bourdieu analyse le processus d'autonomisation du champ littéraire par rapport au marché, par rapport aux contraintes économiques. Il évoque aussi occasionnellement la conquête de l'autonomie par rapport à l'idéologie et la morale dominante, mais sans développer cet aspect. C'est cette dimension du processus d'autonomisation du champ littéraire que j'ai voulu étudier dans ce livre sur la responsabilité de l'écrivain, en prenant pour fil conducteur le concept de responsabilité. L'autonomie du champ littéraire ne se construit pas seulement par opposition à la logique de marché, mais aussi à travers les luttes contre les définitions hétéronomes du rôle social de l'écrivain et de sa responsabilité. Et le concept de responsabilité permet de saisir la relation entre les définitions sociales et pénales des droits et devoirs des écrivains et leur propre conception de leur métier. La définition de la responsabilité de l'écrivain est en effet l'enjeu de lutte qui dépasse largement le monde des lettres. Elle est codifiée dans le droit à travers les restrictions à la liberté d'expression, c'est la responsabilité pénale, qui en font donc une affaire d'État, parce qu'en France, c'est l'État qui poursuit ceux qui enfreignent ces restrictions, à la différence par exemple des États-Unis, où les poursuites sont menées le plus souvent sur la base de plaintes privées. C'est bien sûr, à l'époque dont je traite, l'affaire de l'Église, qui entend exercer un contrôle sur les consciences. Et avec l'alphabétisation et l'extension du lectorat au XIXe siècle, ça devient aussi l'affaire des médecins, des sociologues, des criminologues, des entrepreneurs de morale, les ligues de moralité qui se créent à cette époque. Et puis évidemment, la responsabilité, c'est l'affaire des écrivains eux-mêmes,
qui doivent ajuster les exigences inhérentes à leur métier et les attentes sociales dont ils font l'objet. La restriction de la liberté d'expression a de tout temps déterminé les pratiques d'écriture, induisant non seulement des habitudes d'autocensure, mais aussi des stratégies de contournement de la responsabilité autoriale qui recourait à des procédés littéraires comme la fable, l'allégorie, le récit historique, la fiction. Or, comme le remarquait Lewis Kozer, la censure est, plus que tout autre facteur, à l'origine de l'alliance de tant d'intellectuels avec les forces du libéralisme et du radicalisme. Qui plus est, les écrivains ont en grande partie élaboré leur éthique de responsabilité, leur éthique professionnelle, en se confrontant à ces attentes sociales et en s'en autonomisant. En effet, à partir du XVIIIe siècle, s'élabore une éthique de la responsabilité de l'écrivain qui se différencie de la responsabilité pénale et qui fonde la construction historique de la figure de l'intellectuel dont les écrivains, de Voltaire à Sartre en passant par Zola, se sont voulus l'incarnation suprême parmi les différentes classes intellectuelles. Cette éthique se réclame des valeurs propres au monde intellectuel, comme le vrai, comme le beau. Ces valeurs fondent les luttes pour la liberté d'expression menées depuis le XVIIIe siècle au nom de la vérité, au nom du droit à la connaissance et du droit à exercer une fonction critique dans la société pour éclairer l'opinion et permettre aux citoyens de développer leur propre jugement. Et c'est dans ces luttes que se sont affirmées deux postures opposées, mais qui ont en commun de revendiquer leur autonomie par rapport aux définitions hétéronomes de la responsabilité. D'un côté, l'art pour l'art, c'est-à-dire le refus de subordonner l'art à la morale, de Flaubert jusqu'au nouveau roman, et puis la figure de l'intellectuel engagé pour des causes universelles comme la justice ou la liberté, figure qui a été incarnée par Zola et par Sartre de façon la plus paradigmatique. Mais cette liberté signifie-t-elle qu'on peut tout dire? Les mots n'ont-ils aucun effet? Et s'ils en ont, quelle responsabilité cela crée-t-il pour l'écrivain? Les procès littéraires constituent un lieu d'observation privilégié de ces débats, de la confrontation entre ces différentes conceptions de la responsabilité qui sont explicitées et rendues publiques. Les procès révèlent les luttes autour de la définition de la responsabilité pénale de l'auteur et les arguments mis en avant par la défense et qui définissent les contours de l'éthique professionnelle de l'écrivain. L'émergence de cette éthique de responsabilité de l'écrivain s'inscrit dans une histoire plus large de la responsabilité que je retracerai dans une première partie en m'appuyant sur Foucault et sur le sociologue durkheimien Paul Fauconnet. J'aborderai ensuite les enjeux autour desquels se définit la responsabilité de l'auteur et leur évolution qui est corrélative des transformations de la morale publique. Dans un troisième temps, je montrerai comment la théorie sartrienne de la littérature engagée constitue un moment clé de la redéfinition de la responsabilité de l'écrivain qui pousse à l'extrême sa dimension subjective tout en réaffirmant son autonomie. Comme l'a montré Michel Foucault, la responsabilité pénale a joué un rôle majeur dans l'affirmation de la fonction auteur par l'imputation d'une série de discours publiés à un auteur. Historiquement, en effet, la responsabilité pénale précède la propriété littéraire. Avant d'être un bien, un produit dont l'auteur peut revendiquer la propriété, le discours a été un acte susceptible d'être puni. La responsabilité pénale fut introduite en France dans la législation royale en 1551, avec l'édit de Chateaubriand qui rendait obligatoire l'apposition du nom de l'imprimeur et du nom de l'auteur sur toute publication. En 1554, la faculté de théologie de Paris adopta le nom d'auteur comme principe de classification des livres censurés.
D'abord imposée par les pouvoirs afin de contrôler la circulation des discours, cette paternité allait être assumée par les hommes de lettres au siècle suivant pour fonder leurs aspirations à faire reconnaître leurs droits sur leur œuvre, aspirations qui n'aboutirent qu'en France que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle avec la reconnaissance du droit d'auteur en 1777. C'est aussi à cette époque que la notion de responsabilité apparaît dans son sens juridique moderne. Or, les écrivains ne vont pas tarder à la retourner contre l'État et les pouvoirs en élaborant, à partir du XVIIIe siècle, leur propre éthique de responsabilité, distincte et souvent opposée à leur responsabilité pénale. C'est ce que font les philosophes du XVIIIe siècle lorsqu'ils proclament l'autonomie de la raison, qui refuse de se subordonner à d'autres principes qu'elle-même, s'émancipant ainsi du joug de la religion. Cette affirmation d'une éthique de la responsabilité de l'écrivain participe du processus de subjectivation de la responsabilité. Ainsi que le suggère Paul Fauconnet, les définitions de la responsabilité oscillent entre objectivité et subjectivité. La responsabilité objective pure, représentée par la morale religieuse, la responsabilité objective pure peut être illustrée par l'expiation rituelle. Tandis que la responsabilité subjective pure, qui est représentée par la morale religieuse, condamne les pensées et les intentions coupables, indépendamment d'un acte. La responsabilité juridique est un compromis entre ces deux tendances opposées. Les infractions sont constatées à partir d'un fait externe qui constitue leur élément matériel et qui est le produit d'une action imputable à un auteur dont on examine ensuite le caractère volontaire, à savoir l'intention. C'est l'élément moral ou subjectif de l'infraction. L'établissement de l'élément matériel relève d'un groupe de spécialistes, magistrats, avocats, police. Dans tout procès, on a le moment du jugement où on demande si l'accusé est bien responsable, a bien commis l'acte qui est incriminé, et s'il l'a commis, deuxième question, intentionnellement, volontairement. L'apparition de la responsabilité subjective est le fruit d'un processus historique de spiritualisation et d'individualisation de la responsabilité. Le processus de spiritualisation de la responsabilité est étroitement liée à l'évolution de la conception religieuse du péché. Au Moyen-Âge, les gens étaient jugés sur des actes. La relation entre l'agent et l'acte pouvait être purement extérieure. À partir du XIIe siècle, la morale religieuse catholique développe une conception subjective de la responsabilité qui déplace l'attention du péché vers le pécheur, de la faute vers l'intention. Ce processus est renforcé par la montée de l'individualisme à laquelle il contribue par l'institutionnalisation de la confession. Étroitement liée au procédé de contrôle social, la subjectivation de la responsabilité s'observe parallèlement dans le cadre judiciaire qui est régi à partir de cette époque par le droit canon romain et où l'aveu est désormais requis, d'où le recours à la torture pour obtenir l'aveu. Cette nouvelle conception de l'acte et de la culpabilité rompt avec les interprétations magiques du lien entre événement et agent. Les événements ne peuvent être qualifiés d'actes que si une relation causale interne, c'est-à-dire une intention, le relie à son auteur. Une telle causalité suppose la notion de libre arbitre sur laquelle se fonde la conception subjective de la responsabilité, déchargeant ainsi les êtres qui en sont privés, à savoir les animaux, les enfants, les aliénés, qui sont décrétés irresponsables. En réalité, il y a une oscillation entre les deux conceptions. C'est notamment le cas à la fin du XIXe siècle, avec la criminologie de Lombroso. Lombroso met en avant l'hérédité. L'hérédité, ça rend le criminel irresponsable. C'est pas de sa faute, hein. C'est pas intentionnel. Mais Lombroso met l'accent sur la responsabilité objective. Selon lui, la peine doit être proportionnelle à la dangerosité du criminel pour la société et non à la conscience qu'il a de sa faute.
Et donc il y a une tendance de responsabilité objective qu'on retrouve d'ailleurs, qui revient aujourd'hui assez fortement. On en trouve des traces en France dans la loi de 1884 sur les récidivistes qui sont considérés comme incurables. Pour vous dire qu'il y a un processus de spiritualisation, mais on a toujours une tension entre les deux. Alors la spiritualisation de la responsabilité conduit à faire du sentiment individuel le fondement de la responsabilité sociale. Remis en cause par la réforme, qui va jusqu'au bout de la logique de l'individualisation et de la spiritualisation de la responsabilité, avec l'intériorisation de l'examen de conscience, l'introspection, le contrôle de cette responsabilité subjective par les théologiens et hommes d'Église, est contesté au XVIIIe siècle par les philosophes et gens de lettres qui entreprennent de laïciser la morale et de la fonder sur la raison. Et Kant en a donné la formulation la plus élaborée avec son principe de l'autonomie de la volonté, qui fait de la liberté la condition de la responsabilité. Donc les hommes de lettres, ce sont ces nouveaux moralistes qui refusent de se soumettre aux instances qui exercent le pouvoir spirituel, à l'Église notamment, et qui prétendent se substituer à elles en revendiquant le droit de les critiquer au nom de la raison. Pour rendre leur verdict public, ils disposent d'un redoutable instrument, c'est l'imprimé, qui leur ouvre l'accès aux consciences d'un nombre croissant d'individus. La mission qu'ils se donnent est précisément d'éclairer l'opinion publique. Mais qu'est-ce qui fonde leur légitimité? Comment, se demande Tocqueville, les hommes de lettres qui ne possédaient ni rang, ni honneur, ni richesse, ni responsabilité, ni pouvoir, devinrent-ils en fait les principaux hommes politiques du temps, et même les seuls, puisque, tandis que d'autres exerçaient le gouvernement, eux seuls tenaient l'autorité? En effet, à la différence des artistes, les écrivains n'ont jamais constitué une corporation, un ordre, ni une profession reconnue comme telle. L'exercice de l'activité littéraire ne requiert aucun droit d'entrée formel. Elle ne suppose pas d'apprentissage technique, comparable à celui des artistes ou des musiciens. Si elle nécessite une certaine éducation, il ne s'agit pas d'une compétence certifiée, sanctionnée par des titres scolaires, comme dans le cas des professions juridiques ou des enseignants. La représentation de l'écrivain comme un être libre et indéterminé s'enracine donc dans un fait social. En retour, elle fonde la posture prophétique que revendiquent les hommes de lettres à partir du XVIIIe siècle. Face au corps organisé au sein de l'État absolutiste et à la cléricature de l'Église, cette pratique individuelle et libre, souvent désintéressé de la critique morale, sociale et politique, qui tire son pouvoir ni de la tradition, ni de la légalité, mais du seul charisme qu'exerce son auteur sur un public de lecteurs dont il rencontre les attentes, permet en effet d'assimiler la position des écrivains dans la structure sociale à celle du prophète, tel que l'a analysé Max Weber. À la différence du prêtre et du théologien mandaté par une institution, l'écrivain, comme le prophète, n'est mandaté par personne. S'il parle au nom de la raison, son talent seul, source de son charisme, fonde son crédit et ses droits à s'en prévaloir. Or, le processus de laïcisation et le combat des Lumières contre les préjugés et le dogmatisme favorise, dès le milieu du XVIIIe siècle, le transfert de la fonction sacrée du monde religieux au monde des lettres. Contre la religion instituée, les hommes de lettres diffusent une nouvelle foi philosophique, humaniste et qui n'obéit qu'au commandement de la raison. À une époque où se développe le culte des grands hommes, l'homme de lettres fait figure de saint laïque quand il ne se veut pas législateur comme Rousseau. Mais cette position lui crée aussi des devoirs et une responsabilité nouvelle. En identifiant le discours à un individu, son auteur, et non plus à une institution ou à un corps, les représentants de ce nouveau tribunal aggravent leur propre responsabilité dans sa dimension individuelle et subjective. Ils s'exposent à une double sentence. D'un côté, ils se soumettent eux-mêmes au verdict du tribunal qu'ils prétendent éclairer, le public,
De l'autre, ils prennent le risque d'être jugés précisément au nom des préjugés qui se donnent le droit de combattre et qui forment le socle de la morale officielle telle qu'elle est codifiée dans la loi. Donc, la première fonde la responsabilité morale de l'écrivain moderne face à son public, la seconde, sa responsabilité pénale. N'étant mandaté par personne, le prophète doit subir seul la sanction de la société. Si la justesse de la prophétie suffit à la légitimer et assurer à l'auteur l'immortalité, c'est-à-dire la gloire posthume, qui est la plus haute reconnaissance qu'un écrivain puisse espérer, la fausse prophétie est en revanche punie de mort. Selon Paul Fauconnet, je cite, « la haute valeur morale de la répression fait la valeur de la responsabilité qui en est la condition ». Et la Déclaration royale de 1757, punissant de mort celui qui se serait rendu coupable d'avoir composé, ordonné de composer, imprimé, vendu ou distribué des écrits tendant à attaquer la religion, à émouvoir les esprits, à offenser l'autorité royale et à troubler l'ordre et la tranquillité de l'État, donne une bonne indication de la valeur symbolique conférée à la responsabilité auctoriale, même si, selon Malesherbes, la sévérité de cette déclaration en assurait l'inapplicabilité. L'événement majeur par rapport auquel va se définir cette responsabilité, c'est évidemment la Révolution française. Pas seulement parce qu'elle a inauguré le régime de la liberté de presse en France, mais aussi parce qu'elle paraît, dans l'imaginaire collectif du moment et surtout après coup, être tout entière surgie du seul pouvoir des mots. Tocqueville écrit, je cite, « On considère avec raison la philosophie du XVIIIe siècle comme une des causes principales de la Révolution. » Cette croyance est partagée par les révolutionnaires, qui ont fait de Voltaire et Rousseau leurs précurseurs, et par leurs adversaires, les plus féroces. Donc cette croyance en la responsabilité des hommes de lettres dans les événements révolutionnaires est sans doute, elle est restée, un des noyaux durs de l'imaginaire national français. Il y a encore des débats entre historiens là-dessus. Et elle est constitutive de la définition pénale de la responsabilité de l'écrivain, et elle va hanter tous les débats autour de la liberté de presse au XIXe siècle. Donc je passe maintenant à la deuxième partie, à la qualification des crimes commis par voie de presse. Comment se définit cette responsabilité pénale ? La transposition aux crimes écrits de la double dimension objective et subjective de la responsabilité pénale, telle que définie par Fauconnet, éclaire les enjeux de la définition de la responsabilité pénale de l'écrivain. D'un côté, il faut qu'il y ait un acte matériel. On ne punit pas des individus sur leurs pensées coupables ou sur leurs intentions seules. Cet acte matériel, c'est la publication. C'est pourquoi, dans la législation, le premier responsable, c'est celui qui imprime. Avant la division du travail entre éditeur et imprimeur, c'était l'auteur qui faisait imprimer ses textes. Mais lorsqu'émerge la figure de l'éditeur au début du XIXe siècle, c'est lui le premier responsable. L'auteur n'est que son complice. Ce qui facilite évidemment les poursuites pour des rééditions d'ouvrages d'auteurs décédés, notamment ceux du marquis de Sade au début du XIXe siècle. De l'autre côté, la dimension subjective peut aggraver ou atténuer la responsabilité objective. Il faut démontrer que les responsables et leurs complices ont agi avec l'intention de nuire. Ce qui permettra, par exemple, d'exempter l'imprimeur par la grande loi libérale de 1881, j'y reviendrai, sauf s'il est prouvé qu'il a agi en connaissance de cause. Il en résulte aussi que l'auteur est toujours puni plus sévèrement que l'éditeur, alors qu'en principe, comme il n'est que le complice, il devrait être puni moins sévèrement. Ceci est vrai pour le livre, mais pas pour la presse. Dans la presse, qui est conçue comme une entreprise, le gérant est responsable avant les auteurs d'articles qui étaient souvent anonymes au XIXe siècle, et la responsabilisation conduira d'ailleurs à exiger que les noms des articles, les auteurs des articles signent de leur nom. Alors sur quelle base s'établit cette responsabilité ? La responsabilité pénale de l'auteur concerne en premier lieu le contenu des écrits. Ont-ils offensé la morale publique ou les mœurs ? Ont-ils transgressé les valeurs fondamentales de la société ? Ont-ils attaqué le régime ? Mais il n'y a pas seulement le contenu.
La responsabilité de l'auteur se définit aussi par rapport à la forme et la matérialité du support qui sont conçus comme des indicateurs de la responsabilité objective autant que de la responsabilité subjective. Et puis, elle repose aussi sur une théorie des effets sociaux de l'écrit qui dessine les contours de la responsabilité objective de l'auteur et sur des attentes concernant son éthique de responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité subjective. Donc je vais passer brièvement en revue ces différentes dimensions qui définissent la responsabilité pénale de l'auteur en essayant de vous montrer les évolutions qui ont eu lieu à travers quelques cas. Du point de vue du contenu, l'étude des procès littéraires du début du XIXe siècle à la fin de la Deuxième Guerre mondiale permet de constater une évolution de la définition de la morale publique. Si la liberté de presse a été décrétée par la Déclaration universelle des droits de l'homme sous la Révolution française, son application a été de très courte durée. C'est au début du XIXe siècle, sous la monarchie parlementaire de la Restauration, que sont promulguées, en application de la charte de 1814, les premières lois définissant la liberté de presse qui en fixe les limites. La loi protège tout d'abord le régime monarchique de toute attaque ou critique. Elle protège aussi la religion. En effet, si le principe de liberté de conscience et de discussion philosophique établi par la charte de 1814 pour éviter les guerres de religion est respecté, la loi criminalise toute remise en cause du principe de l'immortalité de l'âme. Ce qui veut dire que les doctrines matérialistes constituent un crime jusqu'à la grande loi de 1881 en France. On ne peut pas être acté ouvertement, publiquement. Enfin, la loi condamne les offenses aux mœurs, un crime qui est encore peu autonomisé par rapport aux enjeux politiques et religieux. Et tout au long du XIXe siècle, et même encore sous la Troisième République, on verra que l'offense aux mœurs a pu servir de prétexte pour poursuivre des écrits d'opposants qui échappent à la qualification de crime politique. L'offense aux mœurs s'autonomise en fait sous le régime d'ordre moral du Second Empire, instauré en 1852 après la révolution de 1848 et le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Ce régime promeut une morale bourgeoise dont les piliers sont la famille et la propriété. Le procès de Flaubert en 1857 pour Madame Bovary est exemplaire à cet égard puisqu'il porte atteinte à ces deux piliers de l'ordre social. Emma Bovary commet un adultère, plusieurs d'ailleurs, qui entraîne la destruction de sa famille et elle dilapide la fortune familiale entraînant sa ruine. Selon l'avocat de Flaubert, cependant, le fait que son client fasse mourir son héroïne dans des souffrances atroces prouve que ce roman n'est pas une apologie de l'adultère, elle est punie. Cet argument est toutefois insuffisant aux yeux du procureur impérial. La mort d'Emma ne suffit pas à absoudre les offenses à la morale et au bon goût que Flaubert a commis dans son roman et ici des scènes qu'il juge lascives, notamment la fameuse scène où Emma part en fiacre avec son amant. Alors c'est une scène, je ne sais pas si vous l'avez en tête, où rien n'est décrit, on ne voit rien, on ne sait pas ce qui se passe dans le fiacre. On entend seulement les directives données au cocher. Mais évidemment, ces directives, elles peuvent s'entendre à double entente comme une sorte de métaphore, pas seulement métaphore, même directe de l'acte sexuel, hein, en avant, plus vite, etc. En outre, Emma se suicide, ce qui est une offense de plus à la morale. Donc pour le procureur, ça ne compte pas, hein, c'est pas une vraie punition. Elle a choisi de mourir. Flaubert est toutefois acquitté, contrairement à Baudelaire, qui est jugé quelques mois après lui pour son recueil de poèmes « Les fleurs du mal » et qui, lui, est condamné. L'acquittement de Flaubert tient au fait, j'en fais l'hypothèse, que son avocat a réussi à démontrer que Madame Bovary était un roman moral. Pourquoi ? Parce que ce roman montre, en fait, les effets nocifs des mauvais livres sur une jeune femme d'origine modeste. Emma a lu toute la littérature romantique dans son enfance, Colette Virginie, tout ça, à laquelle ils ont donné des idées et des ambitions à s'élever au-dessus de sa condition. Et la mobilité sociale, c'est une des grandes inquiétudes des conservateurs de l'époque, hein, dans cette idée que la littérature donne des idées de changer de statut, c'est ce qui inquiète le plus.
Donc Flaubert est absous au nom même de ce pourquoi il était condamné. Hein, la crainte que son livre influence les jeunes femmes et les conduise à l'adultère. C'est-à-dire les effets supposés nocifs des mauvais livres. Hein, et j'en reviendrai ça. Donc voilà pour le Second Empire. Sous la Troisième République, la presse est libéralisée par la grande loi républicaine de 1830.